Bonjour Pierre-Jacques Azélias. Bonjour Roger Nickel. Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'on appelle cet endroit le Cap Horn? Parce que j'imagine mal des caporniers partir d'ici, sur l'Oder. Oui, en réalité, moi qui suis du pays d'à côté, le pays Bigoudin, j'ai toujours entendu appeler ça le Cap Hapcorn, c'est-à-dire le Cap du coin. Vous êtes quimpérois de cœur, vous? Ah oui, oui, comme dirait mon petit camarade Mac Jacob, division m'animait, mais la moitié de mon âme est ici. Vous avez écrit un jour, il n'y a guère eu de choses importantes en Bretagne depuis 40 ans qui n'ait eu son tremplin et son origine à Quimper. Oui, tout s'est passé un petit peu là, parce que d'abord, c'est le commencement du pays. On dit que ici nous sommes dans le Finistère, le bout du monde, mais en réalité, c'est le commencement du monde, oui. Et non pas à la fin. Quimper est la dernière ville, c'est elle également qui a rassemblé tout le pays bretonnant autour. Les gens ne parlaient que breton lorsque je suis arrivé ici au lycée en 1925. Oui. Puis après ça, elle a été gagnée par l'autre côté, n'est-ce pas, pour le français.